Et nous y voilà. Je pense que vous aurez reconnu assez rapidement la musique. Sur ce jeu qui était quand même assez emblématique des fin 90, début 2000. On va aller dans l'ordre, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une promo sur le bundle pack sur Steam. Oula, ah oui, je reprends. Ah oui, directement ici, ok. Allez, c'est parti, let's go. Ah oui, mais j'étais resté bloqué si je me trompe pas. Alors, on va changer le placement de ça. On va se mettre là. Là, très bien. Ah, je me fais latter. Je vais mourir, hein. Hop là, ma tourelle. Je suis une tourelle. Ouais, avec moi, c'est des bottes. Ça c'est les trucs blindés ça. Voilà, tirer quand on voit du orange qui vole, c'est bon signe. Ah, il a tué mes potes. Défendre, bah je défends. Je peux faire quoi là? Un vaisseau quelque part? Qu'est-ce qui m'embête? Où est le problème là? Des ennemis quelque part? C'est ça qui bloque? Ah. Oui, les codes de sécurité. C'est par là.
C'est bon, je les ai. Je déverrouille la porte. Recon, bravo. Vous avancez maintenant dans la zone d'ombre. Bien reçu. Fantôme, à votre prochain. Tirez! Persistez! Ouais! Attention, Spartan! Partout.
jackpot. Transmission visuelle. Tu vois ça, Kat? Confirmé. Contact relayé par Noble 3 et 6. Groupe d'assaut Covenant en visuel. C'est plus qu'un groupe d'assaut. C'est une armée d'invasion. Si on veut s'en sortir, va falloir qu'on s'active. On va tout tuer. À toutes les unités Recon, repliez-vous. Le soleil s'élève dans quelques heures. Et la journée s'annonce agitée. Fer de lance. Apparemment, la découverte faite par l'équipe Noble hier n'a rien d'une anomalie. Des détachements Covenant se sont déployés à notre insu, et nos positions du territoire Vieri sont attaquées, défenses orbitales incluses. Comme l'impose la procédure, nous ripostons sur tous les fronts. Noble a identifié des écrans de camouflage qui masqueraient le déploiement d'armées Covenant et découvert une potentielle zone d'atterrissage destinée à d'autres troupes d'invasion. Leur origine reste à déterminer. Ouais, plein de chars à canon. À l'attaque. Cette zone d'atterrissage est désignée cible prioritaire par l'UNSC. La détonation est claire. Reçu. Verrouillage sur le pylône en acquisition. Détonation dans 3, 2... Contact. C'est le moment de s'accrocher. Six, vous m'entendez? Vous allez bien? Prenez un peu m'aider. J'arrive. Mon arme, sympa. Une roquette. Quatre, six, votre situation. Ça pue. Tarif là. Ducat, sachez que l'ONI a identifié deux tourelles entières au sud-ouest de votre position. Reçu, commandant. On y va. Six, nouvelle cible. Allez abattre ces tourelles. On y va. Le Warthog, Ah, on prend le Warthog, ok. Ah oui, c'est lui qui avait largué. C'est moi qui conduis ? Allez. Débarrassez pas de ces tourelles.
vais essayer de prendre ça. Ah mais il y a mon bonhomme là. Il fait quoi lui? 4. T'es folle? Allez, ça dégage. C'est toi. Pas trop de niaiser. Bonjour. Je prie votre petit vaisseau. C'est ça les tours aériennes? C'est quoi ça? C'est ça. Toi, je désactive pour aller dedans. Non, toi, tu me montes pas dessus. Tu me montes pas dessus, j'ai dit. Il est costaud, lui. Costaud. Là-dedans. Je parle déjà là-dedans. Désactiver ou... De Lima 4, permission d'un passage de bombardement vers 224.6, à vous. On va exploser, c'est bon. Ah, effectivement, il fallait que je m'éloigne. C'est souvent une bonne idée de s'éloigner quand il est fait. Hop, on recommence, on s'éloigne. Attends, je suis contrôle ferme. De Lima 4, permission d'un passage de bombardement vers 224.6, à vous. Bon, j'ai pris trop de temps, faut vraiment que je m'éloigne. On se casse. Permission d'un passage de bombardement vers 224.6, à vous. Hop là, je suis assez loin là. Oh. Sera en place, partez au sud-ouest. 6. Prenez la route du sud pour avoir une meilleure vue du sud-ouest. Je serai à la COP. Pont en place, 6. Continuez d'avancer vers les spires. Non, 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 voilà. Noble 6, il y a une mine près de votre position. Les Covenants en ont fait un avant-poste de commandement. Les soldats sur place ont commencé à l'aligner. Eh ben on y va, allez. Je peux pas avancer avec ça? Alors, on va passer pour... de grande valeur, un dévot élite. Un dévot? On est sur un gros coup, commandant. Restez concentré. Dégommez le dévot si vous pouvez. Mais continuez de progresser vers les spires. Six ennemis blessés. C'est pas Garou là. Pardon, j'ai mis une balle dans mon délire.
Ah, j'avais pas compris que c'était ça. Ok, c'est un lance-roquette à tête chercheuse. Tu peux, hein, mais ne sois pas vexé pour autant. Voilà. Je les vois. Feu. Ici, s'il y a du nouveau, le scan montre une autre tourelle anti-air covenante droit devant vous. Vous devez neutraliser cette tourelle. Et tous les moyens sont bons. Neutraliser l'entière. Allons-y. J'arrive. Il me tire dessus. Oui, il tire dessus moi aussi. Oula. Vraiment très gros celui-là. Je l'avais même pas vu. C'est un truc. Hey, viens le rapport.
Aïe, aïe. Oh, il y a des gros partout. Défendre. Ok, mieux. Sur votre position, lieutenant. J'éclaire la ZA. Commandant, je vais établir ici un poste avancé d'observation. Reçu. J'attends de nouvelles infos. Dites-moi ce que vous voyez. Terminé. Sa baston est sévère tout en bas du canyon. Je détermine les cibles en passant. Verrouillez votre armure, pourquoi pas. Oh, tous mes potes sont morts. L'équipage est mort, on dégage. Ah oui. Oh, ils sont tous morts. Je vois des ennemis éparpillés partout. Faut qu'on se bouge. Jetpack ? Commandant, la spire est en vue. Ça ressemble à une embuscade. Reçu, on a votre visuel. Dodd cherche une solution, attendez. Oh oui, un jetpack. C'est quoi qui m'en met de la vie là ? Aïe. Tu vas couvrir aussi mec, t'abuses un peu non? Je crois pas. Aïe. On se pose un peu. Je sors la Les balles déjà? Oh, oui. Bon, plus de balles.
Ce sont des terminaux de téléportation. Téléportation ? Vers où ? La frégate Grafton est prête à descendre la cire. Mais il faut d'abord désactiver le bouclier. Monsieur, si, je m'occupe de ces connards. Vous rejoignez le sommet de la cire. Chaud ? Là-dedans. Ouais. Leader Noble, 6 en ascension. Amenez-vous, dégommez ce bouclier. Spartan, j'arrive en Falcon. On vous récupère dès que vous aurez désactivé ce bouclier. C'est quoi cette truc que j'ai détruit? Plus vite, lieutenant. On a une frégate prête à fusiller ce truc dès que le bouclier sera désactivé. Wow, 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 wow. Qui c'est qui a ça là? Il y a une grosse... Là, on recule un peu. Ah, je l'ai vu venir. Sac avec une épée qui me rush. Ouh, si je peux taper. Hein. Ouh, à la place de ça, je peux taper. Ah! Oui! C'est la guerre. La
l'apparition soudaine d'un super destroyer Covenant était imprévue. Un rebondissement regrettable. Heureusement, la parade est imminente. 60% des bâtiments de la flotte USSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle. Fleetcom signale que le premier détachement arrivera d'ici 48 heures. Tant que ça ? Tu parles d'une imminence ? Ah ah, sur qui tu paries cette fois ? Elle. Comme d'habitude alors. Elle l'a toujours à sa pogne. Cette chose nous taille en pièces. À ce rythme, on y sera tous passés avant l'arrivée des renforts. Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières. Les autres sont déjà loin. Vous prêchez un converti. À quel point ? Je connais ce regard. Vous pouvez dire non ? Non. Vous pourriez m'écouter au moins. Très bien, j'écoute. Vous vous rappelez cet incident il y a 2 ans ? Un navire en transit vers Cygnus. 700 morts. Vaguement. Une défaillance du moteur PRL, c'est ça ? En fait, il fonctionnait au poil. Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance. Quand il s'est déclenché, la moitié du navire s'est disloquée. Et alors ? Quel rapport ? Avec un peu d'aide, un certain super destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident. Même pour vous, Kat, c'est... Inspiré ? J'aurais dit autre chose. Il se passe quoi ? Ok, expliquez-leur. Vous permettez ? Fais gaffe avec ça. L'objectif ? Détruire le destroyer Covenant en orbite géosynchrone. Vous approuvez, chef ? À votre avis. Ah. La méthode ? Utiliser un moteur PRL au lieu d'ogive. Vecteur d'intervention ? Nous. Problème ? Rejoindre l'orbite. Ça, et mettre la main sur un moteur PRL. Là, je te le rends. En gros, ce qu'il nous faut, c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel le plus coûteux jamais créé. Je ne suis qu'un simple soldat. Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos. Cela dit, je connais un endroit où on pourra se servir. Le site de lancement du très fictif programme Sabre, ramené au rang de vulgaire rumeur par 3 gouvernements successifs. Et où, bien sûr, notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote. T'es flippante, des fois. On a besoin que de l'aval du colonel. Ça, c'est pas gagné. C'est vous qui lui demanderez. Oh, jamais il sera partant. Déposé sur le site de lancement. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la c'est place, trop près. On y va. Oh non, j'ai plus mon jetpack. Je m'en servais pas beaucoup en même temps. Mais... Oh, on a récupéré 4. Spirit en approche. Tu peux discrètement, ça. C'est peur lui. Thank you.
allié. Des fois, c'est trop bon pour dire non. Faisons voler ce sabre avant qu'il s'en gagne. Apparition sur la plateforme inférieure. Le contrôle est derrière cette porte. C'est comme un toi. On descend ? Allez. On peut les... l'aborder ? Ou pas ? On n'a plus rien. Oh 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 oh. Comment je fais ? Je vais remonter. Non, je vais revenir. Je vous jure que je vais revenir. Bon bah tant pis. Oh. Dommage. Prendre là. Comment ça? Apparition. Ah, c'était... Fu. Allez, cette fois, on y arrive. C'est pas vrai. Bon, d'accord. C'est fragile, hein, parce que trois patates. C'est pas ce que je voulais faire. Mais... Et du coup, là, je vais. Ah, je remonte. Ça a l'air d'être par là. Il est retourné, lui. On y va.
Sabre Bravo, O 2-9, terminé. Yaos, colonel Hollande. Affirmatif, Noble 5. Bienvenue à l'opération Hypercute. D'ici, je vous dirigerai tout le long. C'est compris, colonel. Noble 6, ces sabres ont été modifiés pour la défense orbitale. Vous aurez besoin d'un temps d'adaptation. Rendez-vous à Encore 9, avec la frégate Savannah, avec les autres sabres, dès que vous êtes prêts. Terminé. Attends, je dois piloter ça ? Ah oui, d'accord. C'est déjà bon de faire ça. Contact multiple non identifié. Contrôle Savannah pour les équipes Sabre. Des ennemis se dirigent vers nous. Encore neuf à tous les vaisseaux de l'UNSC. La station n'a plus de défense. Demandons renfort, le temps de les réparer. C'est parti. Montrez-leur ce qu'on peut faire. Sont à 56%. Tenez bon, équipe SAM. Oh, c'est dur à piloter. Enfin, c'est loin à réagir. Propulseur, je vois pas à quoi ça correspond. Oh, elles sont fragiles. Chaleur propulseur. Elle me tourne autour, c'est une horreur. Encore neuf pour vaisseau de l'UNSC. Signature de propulsion détectée. Des chasseurs. Allez, ça. Équipe SAP, arrosez-les pour désactiver leurs boucliers. Puis envoyez-leur des missiles. Les batteries défensives sont à 79%. Encore une minute, équipe SAM. Là du coup. Oups, ça me...
Et passe pas devant. Bah ok, je vous. Encore 9 à tous les appareils proches. Attaque ennemie massive en approche. La patrouille de combat et les équipes sabres doivent ouvrir le feu pour défendre la station. Il faut aller où pour pas voir de Covenant? Encore 9 à tous les vaisseaux de l'UNSC. Les défenses de la station sont de nouveau actives. Dégagez la voie, on allume. À moi, hein. Encore 9 à toutes les équipes sabres. Fantôme en approche sur vecteur 7, marque 4-9. Encore 9 à tous les chasseurs UNSC. Multiples fantômes en approche de nos batteries défensives. Équipe sabre, marquage immédiat de canonnières très précieuses. Oh, je mourrai, non. Non! Ah! Par la dérive. Hollande pour Sabre Bravo. Haut de 9, terminé. Bien reçu. Colonel Hollande? Affirmatif, Noble 5. Bienvenue à l'opération Hypercute. D'ici, je vous dirigerai tout le long. Je recommence pas depuis le début. C'est compris, Colonel. Noble 6, ces sabres ont été modifiés pour la défense orbitale. Vous aurez besoin d'un temps d'adaptation. Rendez-vous à Encore 9 avec la frégate Savannah avec les autres sabres dès que vous êtes prêts. Terminé. Oh bah si. Attends. Je peux cracher? Ok. Donc faut pas que je touche les... Vraiment pas. Sabre Bravo, haut de 9, terminé. Bien reçu. Colonel Hollande? Affirmatif, Noble 5. Bienvenue à l'opération Hypercute. D'ici, je vous dirigerai tout le long. C'est compris, Colonel. Noble 6, ces sabres ont été modifiés pour la défense orbitale. Vous aurez besoin d'un temps d'adaptation. Rendez-vous à Encore 9, avec la frégate Savannah, avec les autres sabres, dès que vous êtes prêts. Terminé. On doit rejoindre la Savannah.
contrôle Savannah pour les équipes Sabre. Des ennemis se dirigent vers nous. Encore neuf à tous les vaisseaux de l'UNSC. La station n'a plus de défense. Demandons renfort le temps de les réparer. C'est parti. Montrez-leur ce qu'on peut faire. Sont à 56%. Tenez bon, équipe SAP. Je peux aller loin, quoi. Éloigné surtout. Encore neuf pour vaisseau de l'UNSC. Signature de propulsion détectée. Des chasseurs. Allez, ça. Équipe SAM, arrosez-les pour désactiver leurs boucliers. Puis envoyez-leur des missiles. Les batteries défensives sont à 79%. Encore une minute, équipe SAM. À tous les appareils proches. Attaque ennemie massive en approche. La patrouille de combat et les équipes sabres doivent ouvrir le feu pour défendre la station. Il faut aller où pour pas voir de Covenant? Encore neuf à tous les vaisseaux de l'UNSC. Les défenses de la station sont de nouveau actives. Dégagez la voie, on allume. Thank you.
Une violette. Ah, lui, il se défend tout seul aussi. Chasseurs UNSC, multiples fantômes en approche de nos batteries défensives. Équipe SAP, marquage immédiat de canonnières très précieuses. Ça fait des dégâts ça ou... Encore 9 pour vaisseau de l'UNSC. Toute cible neutralisée. Bravo 029, permission d'entrée. Marqueur activé. Hollande pour sabre Bravo O29. Noble 5, vous êtes prêt? Affirmatif, colonel. Arrimé. Youhou! Je suis là, 6. Mais pas de QTE. De retour, M-Spec désactivé. Il me faut l'autorisation. Alerte, pas de retour, M-Spec. Dépressurisation du cockpit terminée. Ouverture de la barrière armée. Affichage coordonné 19 par 22. Volontiers, password ONI, secteur 18G. Vitre thermique. Noble 5, votre fréquence cardiaque accélère. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la password. Le surnom est trop écrasant. Noble 5. Je sais. Bravo 029, allumage du propulseur autorisé. Noble 6, ici Hollande. J'écoute, colonel. Nous avons identifié un navire de classe corvette en voie d'amarrage avec l'objectif. Transférez notre bombe improvisée sur cette corvette pour assurer la livraison. Noble 5 se chargera du colis. Votre escadron sabre dégagera le passage avant abordage. Reçu, colonel. La Savannah a fait cadeau de la rupture spatio-temporelle à la cause. Donc, elle viendra à votre renfort en local. Savannah UNSC, on est peut-être cloué au sol, mais on va vous couvrir. Sur ce coup-là, ma tête est sur le bio pour l'équipe. Ce sera fait, colonel. Si c'est terminé. Cible corvette repérée à portée de la balise NAV ERA-15. On l'a en visuel. Cible confirmée. En attente des sabres. Écho 1, tous les systèmes parés. Écho 2, on est prêt. Est-ce qu'on ferait pas une pause là? Si, on va arrêter là. Écho 4, tous les systèmes prêts. Bien reçu, brouillage en cours de la com de la corvette. Allez les gens, je vous dis,
à bientôt pour un nouveau Let's Play. Ciao ciao.